Heidi, il fait jour. Debout, Heidi, allez. Il faut se lever, debout. Heidi. Bonjour, Heidi. Claire, tu es là? Bonjour, alors ça va? Oui, peux-tu ouvrir la fenêtre? J'y vais. Voilà, il est très tôt, tu sais. As-tu oublié qu'on va à la montagne ce matin? Viens, dépêchons-nous, on va se préparer pour surprendre Mademoiselle Rougemont. Bonne idée. Hop là! Suis-moi. Heidi! Hein? Où tu t'en vas comme ça? Oh, pardonne-moi, Claire. Je vais m'arranger, approche-le-moi et ça ira. Bien, comme tu veux. Mets-le contre le lit et tiens-le bien. Ça ira, tu crois? Tu n'y arrives pas, Claire. Tu ne peux pas t'asseoir toute seule? Heidi, j'ai besoin de Mademoiselle Rougemont. Peux-tu la prier de venir ici? Tiens. Ça alors? Et on dirait Lina. Bonjour. Heidi! Oh mon lait! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh bien, imagine-toi qu'une espèce de pimbèche est venue hier soir pour me demander si je voulais travailler pour elle. Tu as dit une pimbèche? Oh, pour moi, c'est sûrement Mademoiselle Rougemont. Oui, c'est ça. Elle m'a presque suppliée. Il a bien fallu que je finisse par accepter. Dieu sait pourtant que j'ai eu suffisamment à faire comme ça. Remarque, elle va me payer en conséquence. À mon avis, la famille de cette petite Allemande ne manque pas d'argent. Au fait, l'as-tu vue ce matin, Mademoiselle Rougemont? Elle vient tout juste de partir. Elle m'a dit qu'elle devait s'habiller pour aller à la montagne. Oh, viendrais-tu m'aider? Claire a besoin de toi. Elle peut pas s'asseoir toute seule dans son fauteuil. Ta jeune amie? Oui, j'y vais. Heidi! Heidi, à qui parles-tu? À Lina! Je vais passer voir, pourvu qu'elle soit réveillée. Je me demande si Mademoiselle Rougemont a l'intention de venir avec nous. Je vous laisse. Il faut que j'aille préparer votre petit déjeuner. Je vous en prie. Oh! C'est Pierre! Bonjour, Pierre, ça va? Oui, bonjour. Bonjour, Pierre. T'es en avance, dis donc. Je me demandais ce que vous alliez faire aujourd'hui. Mais au fait, la drôle de dame, où est-elle? Au village, elle cherche de l'aide pour monter Claire jusque chez grand-père. C'est bien vrai? Oui. Est-ce qu'on va s'amuser? Alors, dans ce cas, je vous attends à la fontaine. Ah, tiens, voilà Hercule. Oh, bonjour, mon beau Hercule. Hercule, tu es venu nous chercher? Claire, voici Hercule, mon bon chien. Ah, oh, c'est que je le croyais pas aussi gros, il est énorme. Il ne mord pas, dit. Oh, mais non, c'est le meilleur des chiens. Oh. Bonjour, Hercule. Allez, approche, Hercule. Allez, viens. Oh. Quel gros paresseux tu fais. Ah, vous êtes bien matinales, toutes les deux. Bonjour, grand-père, ça va? Oui, c'est vrai, on s'est levé tôt. Bonjour, les enfants. Dis-moi, ma petite Claire, est-ce que tu as bien dormi? Oh oui, comme jamais. Tant mieux, j'en suis heureux pour toi. Dis, grand-père, comment on va s'arranger pour monter Claire au chalet? C'est ce que je me demande. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je me suis occupée de tout. Il n'y a aucun problème au sujet Claire. Je suis allée au village et j'ai trouvé l'aide qu'il me faut. Au village, vraiment? Mais oui, puisque je vous dis que tout est arrangé. Ça doit être pour te transporter, cette chaise-là. Oui, cela m'en a-tu l'air. Messieurs, s'il vous plaît, veuillez vous approcher. Tout de suite. Bon. Maintenant, venez prendre votre déjeuner, Mademoiselle Claire. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oh.
Eh bien, Pierre, comment se fait-il que tu sois encore là? Tu attends quelqu'un? Oui. Oh, les voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je porte la demoiselle. Oh. Oh, Pierre, tu es là! Oh, tu parles d'un troupeau de chèvres. Excuse-nous, on t'a fait attendre. C'est pas grave. Alors, on monte tous ensemble. Comme tu es jolie ce matin. Bonjour, toi, Blanchette. C'est Blanchette et son petit, j'ai raison, hein? Comment tu les connais? Bien sûr. Voici Blanchette, la petite chevrette de Blanchette. Puis voici sa maman, pas vrai, Pierre? Viens, je veux te caresser, allez, viens. Bon, voilà. Blanchette! Elle n'aime pas qu'on la caresse, elle se prend déjà pour une grande, tu sais. Je vois. Quand même, il faut reconnaître qu'elle est plus vieille que Kiki. Quoi? Tu veux dire que tu connais aussi Kiki? Mais je les connais toutes. Celle-ci, c'est sûrement la farouche. Et attends un peu. Si je ne fais pas erreur, voilà Pi, ta chèvre. Oh, alors si je m'attendais, et comment tu fais pour deviner? Même que je peux te dire pourquoi Pi a demeuré si petite, c'est parce qu'elle provient d'une espèce différente. Oh. Tu sais, Heidi m'a appris bien des choses à Francfort. Depuis, elle m'a donné des nouvelles régulièrement. Ah bon? C'est que j'en savais rien. Général! Il est temps que tu partes. Il est déjà bien tard. Les chèvres doivent avoir faim à l'heure qu'il est. J'y vais! Mon Dieu, protégez-moi. Que vais-je devenir au milieu de ce troupeau de bêtes? Excusez-moi, je suis un peu en retard. Il faut vraiment que je monte là-dessus? Ben, c'est mon cheval, comme convenu. C'est bien ce que vous m'avez demandé. Puis après, essayons. Merci, mon ami. Heidi et son amie, elles montent sûrement jusqu'au chalet. Quelle jolie vue! Arrêtez un instant, je vous prie. Regarde, voilà la maison, on arrive. Oh, mais c'est qu'on est haut ici. On peut
pourrait se croire rendu au ciel. Il faut que je rattrape Pierre. Attends une minute, Pierre. Je vais chercher nos chèvres. D'accord. Ainsi les voilà, les amis, dont Heidi s'ennuyait tant à Francfort. Regardez, Claire arrive. Allez, venez vite la voir. Et alors, Kiki, viens, approche. Allons, viens voir ma Kiki. Oh, quel caractère. Allez, viens dire bonjour. Elle est si mignonne. Blanchette, Blanchette. Oh, comme elle se ressemble. Oh, oh. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous, voyons. On a déjà perdu trop de temps, les bêtes ont faim. Excuse-moi, c'est ma faute, je sais. Ça va, mais venez vite maintenant, hein. Où, Pierre? Bon, j'ai compris. Aujourd'hui, vous restez ici. Mademoiselle Rougemont, on peut monter au pâturage avec Pierre? Oh, pas question, y pensez-vous? Ne croyez-vous pas qu'on a eu assez de mal pour monter ici? J'ai d'ailleurs convenu avec ces messieurs de ne pas aller plus haut que le chalet. Je vous remercie pour votre aide, messieurs. Vous venez nous rechercher ce soir, c'est bien entendu. Oui, oui, mademoiselle. Au revoir, oncle de l'Alpe. À ce soir. À ce soir. Heidi, t'es pas gentille. Pourquoi tu m'as pas dit que vous veniez pas au pâturage avec moi, hein? J'ai perdu mon temps à cause de vous. Mais Pierre, crois-moi, je suis vraiment désolée. Bon, c'est rien, vous en faites pas. Kiki, Blanchette! En route! Allez, vous deux, suivez Pierre. Heidi! Parfois, avec les chèvres, il faut être sévère un peu. Mademoiselle Claire, comment vous sentez-vous? Vous devez être fatiguée. Mais non, pas du tout. Viens t'asseoir ici, tu seras mieux. Je vais t'aider. Merci beaucoup, grand-père. J'avais tellement hâte de venir. C'est beau ici. Exactement comme tu disais. Et puis le ciel est si bleu. Enfin, tout ce dont j'avais rêvé. Je sens la brise des montagnes. Oh, la musique des sapins. Allez, Claire. Allez, viens. Oh, Adelaide, reste tranquille. Mais on va pas loin. Oh, à tout à l'heure. Non, ne bouge pas d'ici. Oh, mon Dieu. Oh. Oh. Vous n'avez pas à vous en faire. Laissez les dents s'amuser. Je vous assure qu'elles ne courent aucun danger. Vraiment? Oh, la belle eau claire. Comme ils sont grands, ces sapins. On n'entend rien maintenant. Mais quand le vent se lève, ils se mettent à murmurer puis à chanter. Même que parfois, ils se fâchent et ils grondent. Oh, j'aimerais bien les entendre. Et tu sais, l'hiver, dans les tempêtes, les lapins, les chevreuils et les oiseaux viennent s'abriter du vent et de la neige sous leurs belles grandes branches. Oh, dis-moi, Heidi, est-ce que les sapins ont toujours été là? Oh, je ne sais pas, mais grand-père dit qu'ils étaient déjà aussi hauts que ça quand il est venu s'installer ici. Ils sont magnifiques, si majestueux. Voici mon amie Claire, vous verrez, elle est gentille. Comment allez-vous? Quel horrible endroit nous sommes venus tout aussi accidentés, pourvu qu'il n'arrive pas de malheur à mademoiselle. Regardez-moi ces pierres. Oh. Elle finira bien par s'habituer. Quel merveilleux décor pour une salle à manger. Oh, je suis si heureuse de manger dehors. Oh, voyez-moi ça là, il fait si bon. Le déjeuner sera prêt dans une minute. Vous devez avoir faim après une si grande promenade. Ah oui, je meurs vraiment de faim. Je crois bien qu'ici, je vais enfin retrouver l'appétit que j'avais. Ah, j'y compte bien. Oh, attention, il y a un précipice. Non, ne craignez rien. Adelaide, arrête-toi tout de suite.
qu'il faut surveiller. Allez, à table, tout le monde. Oui, grand-père, j'arrive. Mmh. Quoi? Oh, mademoiselle Claire, il faut le voir pour le croire, vous qui n'aviez pas d'appétit. Ici, c'est différent, c'est bien meilleur. C'est curieux, mais on dirait que les aliments n'ont pas le même goût. Tu as raison, tout est plus frais ici. Puis l'air des montagnes creuse l'appétit, tu sais, ma petite fille. Merci, Heidi. Oh, vous ne buvez pas votre lait, mademoiselle Rougemont? Bien, pour dire vrai, je n'aime pas le lait de chèvre. Pas du tout. Pourquoi? Moi, je le trouve fameux. Et le fromage est délicieux, j'en suis à ma deuxième assiette. Heidi, tu veux bien me faire visiter ta maison après? Mmh. Oh, oh, quel grand chaudron! C'est là-dedans que grand-père fait son fromage et je l'aide, tu sais. Oh, est-ce que ton lit est au grenier? Tu sais ton lit de foin, veux-tu me le montrer? Mais oui, voyons. Grand-père, voulez-vous m'aider? Oui, bien sûr. Chambre, hein? Oh, comme ça sent bon. C'est l'odeur du foin. Mm-hmm. Oh, c'est confortable. Quand il fait nuit de mon lit, je vois même les étoiles. On dirait qu'elles ne brillent que pour moi. Si tu voyais comme c'est beau. Quelle chance tu as. Oh oui, j'ai envie ta place. Comme j'aimerais pouvoir contempler le firmament chaque nuit. Ah, mais tu n'as qu'à rester. Pourquoi redescendre dans la vallée? Je voudrais bien. Vraiment, mais que dirait mademoiselle Rougemont? Écoute, Claire, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, eh bien, c'est à toi de décider et d'en aviser mademoiselle Rougemont. Heidi et moi, nous ne demandons pas mieux que de nous occuper de toi. Merci, grand-père, je comprends. Ai-je bien entendu, vous ne voulez plus redescendre au village? Oui, c'est ça, mademoiselle. Mais c'est de la folie, voyons, c'est trop dangereux. Essayez de comprendre que cet endroit n'est pas fait pour des gens civilisés comme nous, mademoiselle Claire. Mais vous savez, on est très heureux ici, mon grand-père vous le dira. Peut-être, mais tu sais bien que Claire est très malade, elle doit m'obéir. Ma décision est prise, je ne vous suis pas. Mademoiselle Claire... Mademoiselle Rougemont, si vous voulez mon avis, il est inutile de vous faire tant de soucis pour une si petite chose. Il est évident que si Heidi a pu se faire à la vie de montagne, Claire peut le faire aussi. Quoi? Comme chantez-vous donc? Mademoiselle Claire est loin d'avoir la santé de cet enfant. Pourtant, si j'ai bonne mémoire, c'est bien le docteur lui-même qui a décidé que la vie en montagne ferait des merveilles pour la santé de Claire. Vous devriez en tenir compte. Allons, puisqu'elle tient à rester ici, pourquoi la contrarier? Mademoiselle, je vous assure qu'elle ne court aucun risque et moi, je veillerai sur elle. Je vous en prie, laissez-moi rester. Allez, mademoiselle, dites oui. Oh, oh, c'est affreux, je ne sais plus quoi faire. S'il fallait qu'il arrive la moindre chose à mademoiselle Claire, comment pourrais-je me le pardonner, mon Dieu? Allons, mademoiselle Rougemont. Si au moins j'avais le courage de rester, mais c'est au-dessus de mes forces. Mais... vous n'avez qu'à vous installer en bas, à la maison du village. Mais c'est impossible. Ma place est trop près de vous, voyons. Eh bien, vous n'aurez qu'à monter voir Claire tous les jours au chalet. Monter tous les jours? Oh, on vient nous chercher, mademoiselle Claire. Voyons, soyez raisonnable et redescendez avec moi tout de suite. Pas question. J'ai décidé de rester, que cela vous plaise ou non. Oh, j'imagine qu'il est inutile d'insister. Oui. Bon. Alors, je m'incline, il le faut bien. Puisque c'est comme ça, cher monsieur, Adélaïde, je vous la confie. Je compte sur vous deux. Ouh, on a gagné, Claire Thérèse. Bravo. Je monterai vous voir tous les matins. Rappelez-vous qu'il vous faut déjeuner à 7 heures précises. Et n'oubliez pas vos études pour autant. Vous avez déjà une journée à rattraper. De plus, je compte sur vous pour prendre vos médicaments. À demain. Ayez l'obligeance de me redescendre à la maison du village. Bonne nuit, mademoiselle Rougemont. À demain. À demain. À demain. Au revoir, oncle de l'Alpe. Ah, oh, voilà Pierre. On y va. On est ici. Viens vite. C'est pour vous que je les ai cueillis. Ah. Tu es vraiment gentille. Merci. Elles sont si parfumées. Bonjour, Kiki, Blanchette. Tu es si douce, Kiki.
Ah, toi aussi, tu sais. Voyons ici, c'est Kiki et Blanchette, la voilà. T'as compris? Jamais Claire n'avait connu une journée plus riche en découvertes. Ce soir-là, le ciel étoilé des Alpes donnait au grenier du chalet des allures de palais où deux petites princesses endormies rêvaient aux merveilles que leur réservait le lendemain.